On en parlera après si tu veux. Non, en vrai. Mais parce que sinon je tombe sur. C'est quoi, c'est Slash qui fait peur? Bah visiblement en fait Marcus préfère tomber sur MGLN. Moi je saurais pas dire, tu vois. Bon, en tout cas, on retourne sur le groupe H. Groupe H aussi, où un peu tout est à jouer. Hein. Red, il peut officialiser sa première place. Et Serge, est plus ou moins les... bah, Serge va plus ou moins sauver les miches là, sur ce match, à peu de choses près. Donc en fait, Serge est obligé de gagner. Si Serge ne gagne pas, il sera éliminé. Et Red, s'il gagne, il est premier. À peu de choses près, ça va être ça les règles. Donc on va commencer le premier perso, qui sera... Apollyon. En une cité. Mais quel match, n'empêche. Car oui. Kayosh, qu'est-ce qu'il fait, Kayosh? Kayosh qui tape dans le chat. Pourquoi? Qui est-il? Où sont-ils? Ah, il bosse, il veut changer les joueurs. Alors. Alors que mon dashboard est décédé pour voir si le titre était ok. Bon bah pas de dashboard. Terrible. Ah, peut-être que Twitch est en PLS. Je vois deux écrans noirs en tout cas. Mais je vois ton stream donc Bah moi ça marche de leur côté, hein, c'est pas un souci, mais Twitch a l'air d'être en PLS en tout cas, donc peut-être que le chat ne marche pas. Et le chat. F5 sur le chat au cas où. Bon, je vais faire un F5. Vous répondez pas maintenant. Bah, c'est con, écoutez, je suis débile. Répondez maintenant. Ouais, c'est lui qui touche qui déconne, attention. Hein. Non, ça marche pas, il y a pas de chat. On va devoir faire 100. Peut-être pour ça, hein, du coup, qu'il y avait personne. C'est terrible. Mais Twitch a décidé de merder. J'espère que le live est en cours. Hein. Moi je te vois en live, mais par contre c'est eux que je vois pas. Bon, moi je les vois donc c'est entre guillemets plus important, mais. Bon. Moi je les vois, Khadgar fonctionne. Au pire, tu vas sur Khadgar, tu fais avec. Attends, Khadgar, ouais, peut-être. Donc désolé hein, tout le monde, mais bah voilà, va faire tenir. Va falloir prendre sur vous. Allez, Apollyon pour starter. Donc on rappelle hein, les enjeux de ce match, hein, j'allais dire, mais c'est jamais. Donc si Red gagne, Red prend la première place. Si Red perd, en gros, ça peut se regrouper sur un groupe chelou avec deux victoires et une défaite pour tout le monde. Et si Serge... Bah voilà, et si Serge gagne, du coup, Serge peut sauver sa place encore. Ce Serge a battu Holo. 3-0 il l'a battu, on rappelle. Désolé Holo. Est-ce que ça marche, cher ami pingouin? Et non, ni Khadgar, ni Twitch. Les nouvelles de la banquise ne sont pas bonnes. Les nouvelles de la banquise ne sont pas bonnes. Je tente le Twitch séparé. Oui, vous dites, nous sommes dans des conditions particulières. Oh, c'est terrible. Ah, j'arrive à avoir Red tout seul, donc je vais tenter de mettre Serge tout seul et de me démerder avec mon PC. Ce que tu peux faire, à la limite, c'est mettre les trackers. Au moins, tu vois les objets. J'ai Shadow qui n'est pas prise chez Serge. Ah, c'est terrible cette histoire là. Oh, non. Ça faisait longtemps que Discord, que Twitch n'avait pas bugué. Discord qui marche, fort heureusement. Hop, mets les deux comme ça. Et du coup, ouais, certains joueurs commencent à avoir des strats émergentes auxquelles je vous avoue que je n'avais pas pensé. Donc, potentiellement quelque chose à revoir pour le bit 4. C'est-à-dire ne pas faire que la Coupe du Monde, et c'est-à-dire shuffle les premiers et les deuxièmes. Je sais pas ce que t'en penses, Fangor. Oui, parce que c'était nouveau cette histoire-là. T'avais pas vu ça. Bah, je t'avoue que j'avais pensé. J'avais pas pensé que quelqu'un pourrait éventuellement se servir de cette strat, tu vois, pour finir deuxième. Au cas où quelqu'un de bon soit premier, tu vois. Mais moi je me suis dit que ça allait. Enfin, que ça allait potentiellement arriver, mais. Comme je m'attendais pas à me qualifier, je me dis que j'avais pas spécialement réfléchi. Mais dans tous les cas, c'est vrai que ça dépend un peu de l'état d'esprit. Moi je suis là aussi pour le beau jeu, donc je joue la gagne à chaque fois. Ah bah moi ça va être pareil. Crafter, je jouais la gagne. Allez, triple quad shot chez Serge.
Et du coup, c'est bon, alors je pense que j'ai un tout petit délai entre les deux, mais au moins j'ai les deux streams. Ouais, j'ai 4 secondes, bon, ça va. Il y a juste bah, le chat, hein. Désolé le chat. Je reteste quand même. On sait jamais. Test. Ah, et ça a l'air de marcher. Prends sa clé batterie un peu en avance. Le chat a l'air de marcher, les amis. Ah, je fais le F5. Vous faites F5. Merci c'est Kayosh. C'est bon, je vois la magnifique image de oh, Kayosh. Cette image qui sert absolument à rien. J'suis bright. Allez. Allez, c'est du CD ou quoi? Les deux ont eu une chest. Non, c'est Mystery Sack chez Red, pardon. My bad. Bon, ouais, les problèmes techniques sont terminés, tout va bien. Donc en tout cas, succube chez Red. Tu vous emmerdes. Merci Sac, des bisous. On va voir un peu ce que ça a donné chez Serge Backstabber qui est récupéré. Pratique. Bon, c'est pas le meilleur objet du jeu, hein, clairement. Pour l'instant, un peu. Ah oui, non, là. La run de Red est pas terrible. Et ça va être pareil chez Serge. Et il joue bien les bombes, hein, Red. Très belle bombe là. Red est très très propre. Gros timing. Je pense qu'en vrai, il est capable de faire une montée en puissance, tu sais, pour le tournoi. Ah oui, petit à petit devenir de plus en plus bon. Je pense que c'est un peu ce qui va se passer avec les favoris. Hein. C'est... J'aime bien ce qui. En plus, ce jeu est visible, hein, contrairement au match entre Gamo et Red. Rappelez-vous, c'était sympa à commenter. Les bombes dorées. TechX, TechX chez Serge. Le TechX des petites shots qui va faire plaisir. Hein. Ah, oui, bah là c'est fini. Un peu de choses près. Alors qu'il y a Hitcoli, c'est bon. C'est GG. Ah, Hitcoli contre TechX. Faites votre choix. Ah, il y a les bombes. Tu vois, Kayosh, c'est ça qu'il fallait faire contre Death. Multi-shot TechX. Bah voilà, tu l'as pas fait, c'est pour ça que t'as perdu. Le pire, c'est que. Et lui, le top 4 est pris quand même. Pour le mapping. Red. Il peut venir sur ce. Alors là, ouais, Serge qui va être très très bien, on va le voir passer devant assez vite, je pense. Oh, bon, c'est clair. On se craquer, hein. C'est giga craqué comme il est dans. Et Red qui, du coup, bah farm, je sais pas s'il voit son adversaire, mais là, il. Sa vie. J'ai acheté deux fois, c'est pas mal. Oh, t'aurais pu jeter trois fois. Mais t'as mis un point d'ess en 6D, hein. Ça c'est. Tout le monde l'a pas fait. Hein. C'est vrai. To the lamb. To the lamb en plus. Hein. Je suis arrivé. J'ai presque l'impression qu'il concentre un peu trop sur ses bombes du coup. Oh de... la prime en plus. Prime. Oh la prime aussi. Ah, il peut rattraper. Red, il peut. Bref, ça va être chaud, hein, mais. Ah, à voir. Et il vole. Est-ce que le vol fait tout? Par contre, il est lent. Alors que Serge, il a 1,90 de speed. Donc il se met bien. C'est vrai que Red, on a l'impression qu'il se traîne le cul. Donc là, quand même, Serge a un gros build. Mais Red est quand même plus propre sur ses bombes, hein, j'ai l'impression. Les choses bien. Red, de toute façon, il est plus solide que ses recherches. Il est pas mauvais, hein, c'est un bon runner aussi. Hein. Ce groupe-là était très intéressant, encore une fois. Quand même, on arrive mine de rien à la fin des phases de groupe. C'est terrible. Et du coup, Red qui, quand même, fait son boss avant. Repasse de premier. Ouais, ça peut jouer sur le mapping hein, aussi. Hein, mais en théorie, je vois mal Serge quand même perdre celle-là parce que le pick est vraiment monstrueux. Quoi. Ouais, là. Encore qui un petit halo en plus, c'est bon, full speed. Et Red qui prend juste tous les items qu'il peut, qui traîne. Ouais, bon, c'est normal. Hein. Après le petit os, c'est fort, hein, mais bon. C'est scap sur tes dégâts. Ah, donc si, quand même assez. Ouais, d'accord. Et oui, j'ai plus fort que ce que. En fait, Moucheron, il devrait faire une émission, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, putain, la bonne idée ça. C'est pas Isaac. C'est pas cidé. Le recueil de tous les bugs à Zamiel. Léviathan récupéré par l'ami Serge. Et Serge qui passe devant tout juste un. Il finit sa mom en même temps. Genre...
neck to neck, hein, mais de toute façon, après, la différence de build est là, hein, quoi qu'il arrive. De toute façon, je vois mal Red revenir là, contre un build comme ça. Vous voyez, Isaac, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Prenez ta X multishot et c'est bon. Brimstone, ouais. En vrai, il m'a dit colle au cul. Hein. Ah non, mais il est chaud, oui. C'est quand même, ouais. C'est quand même pas mal de coller au cul quand t'as une 2 chevaux alors oh, que l'autre a une Formule 1. Oh, oh. J'ai rien dit. Oh, oh. Est-ce qu'on aurait pas une soirée d'exception? Et pas déception. La déception. Non, déception. Déception, ouais, c'est exception, ouais. Mais sans le X. Ah, j'avais ce mascara, non, rien. Mapping, il joue bien son Mega Blast. Ah, c'est une salle chiante ça pour le Mega Blast. Il va pas dans le deal. Il s'en fout, Wouah, c'est tellement solide. T'as Red qui passe devant alors qu'en face il y a Multishot Tech X quoi. Ouais, le Mega Blast fait quand même du bon boulot, mais Red après c'est un entrepreneur mondial, hein, on l'a dit. Hein. Okay, je l'ai dit aussi. Les deux les favoris hein, du tournoi qui joue ce soir, hein, mine de rien. Serge qui sera en Krampus, alors Krampus Head, non, Dak Sacrificiel c'est pas mal. Oh, bien sûr. Et le Mega Blast de Red qui va être rechargé. Utilisé dans une impasse quand même, hein, mine de rien. Je sais pas si c'est le bon call. Cool. Là, il a l'air bien parti par contre, mais. Ouais, ça a l'air mieux. Oh, c'est dégueulasse quand même. Faut qu'il ait pour son Isaac surtout. Hein. Autant faire 2-3 salles du chest avec, c'est pas trop. Ouf, c'est pas trop chiant, mais. Autant faire Isaac avec. Putain, mais il va gagner ce con, hein. Serge qui doit se bourrer. Allez, Serge, faut y aller. Serge qui va se bourrer. Hein non, je vais pas. Serge qui va plus qui est bourré. Serge qui est bourré. Oh le boss en plus il l'a vu Red. Oh là 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 là. Ah le mapping, le mapping. Et solide hein, s'il prend le point avec un multiple Tech X en face, alors qu'il a pas grand chose non plus. C'est quand même solide. Serge qui joue à 5 bagues, le multi shot, c'est bon, c'est bien fait. Et il a ses stars aussi, ça peut faire le taf hein, la stars là. Et ça peut être une empereur. Est-ce que c'est une star russe? C'est une star russe ou c'est une star française? Technologie. Oh, qui ride son build! Ah non, c'est bon, c'est une star française! Oh, et Red qui va prendre le point! Oh, quel match! Oh, GG, Red quand même là. C'est alors là, franchement. Pour tenir contre ce build, même avec un Mega Blast, faut le faire. Pour un premier match, ah, ça augure du bon. Et la vision, ah oui, la star, ce qui était vraiment dégueulasse. Hein. Ouais, à souhait. Pas du tout bon endroit. Bah GG à Red, hein. GG à Serge aussi. What the fuck is Russian Stars? Isaac en cité. Ah c'était S for bat. Ah bah Brimstone. Isaac Brimstone, LOL. LOL. Bah du coup Red qui a pris l'habitude hein, c'est bon. Je pense que Red va veto, il aime pas Brimstone. Ou est-ce qu'on les ping? On les ping. Bah ils ont le droit donc. Opposé. Hop, Serge. Serge arrive. Veto. Ok. Ah, je pensais que ce serait l'inverse, tu vois. Serge qui veut pas jouer du coup le Brimstone, on va voir ce qu'il a, ce qui tombe à la place. Poli, Red a encore le choix de veto. Ouais, Red je le vois un peu comme Death, mode oui bah donne moi ce que t'as et puis je joue avec. Non il y a des trucs qu'il aime pas, hein. J'aurais dit Jacob Zedor, il aurait dit va te faire enculer. C'est quoi cette blague? Why do I only get French ones? Because you're not Russian. You told me that at TSA. Get wrecked, Magline. Get wrecked. You can't have Russian stars if you're not Russian. Je vais me convertir. Je vais aller chercher mon visa et. Ah oh, putain, j'avoue. Par contre, faut que tu fasses du 1 carax dead en 60 heures. Ah. Est-ce que tu en as vraiment envie? On s'arrangera. Allez, le CD qui va commencer. Red qui mène 1-0. J'ai peur de tenter le boss play, mais bon, j'y vais quand même. Pour ouais, les mettre 3... à jour. Il y a 3 secondes, ça va. Le rune back qui va être récupéré par Red et par Serge aussi, ouais.
Ouais, le rune bag, faut le prendre, c'est bien. C'est important. Non, mais totalement, totalement. En premier item, c'est un peu chiant parce que bon, on se dit, voilà, les autres familiers derrière, mais bon, c'est quand même fort. Pas non plus la mort, quoi. Et là, voilà, l'Exedred qui déjà le fait passer devant. Ouais, un peu le délai, mais oui, malgré tout, ouais, il a de l'avance là. Oui. Alors, en fait, j'ai une anecdote que j'aime bien raconter. Hein. Vous avez déjà dû l'entendre, mais une fois je l'avais affronté à l'IOTR 3 en finale, là, en CD. Et il y a une run, genre je suis en basement en 40 secondes, en basement 1, ce qui est correct, hein, malgré tout. En plus, c'était pas un starter génial, hein, c'était un truc, genre c'était poli, quoi. Et lui, il l'a fait en 20. J'ai fait. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment t'as fait? J'avais pas. T'avais une empereur? Ouais, non, mais limite, quoi. Et c'est un truc de malade. Non mais Red, c'est une machine en 6D. Sans deck, pique. Hein. Après, on a eu la discussion avec Passion. Hein. Est-ce que c'est le meilleur en ce moment? C'est assez serré, de hein, toute façon. Voir, ça va être intéressant de voir un peu l'opposition entre lui et Cyber en 6D, si jamais ça venait arriver. Et bah, Red, qui pourrait faire la strat de finir deuxième, mais en même temps, c'est soit anti, soit Cyber, a priori, dans le groupe de la foot d'en face. Donc, soit si, hein, quand même, qui n'est pas oublié. Hein. Si, qui peut se qualifier, tu penses? Oh oui. Mais plutôt à la place de qui? De Anti, du coup? Ouais, je dirais d'Anti. Je pense qu'Anti, si, ça va être la deuxième place qu'il y a. Ok. Après, si, il va faire tous ses matchs en coup, à peu de choses près. Hein. Ah oui, il va enchaîner. Peut-être que ça peut lui faire du bien ou pas, ça c'est vraiment la fatigue. N'oublions pas Ispa, hein, qu'il n'est pas mort. Ça va être compliqué, on va pas se cacher. C'est mais... mieux pour Ispa quand même. Mais il est pas mort. Si on voit pas. Hein. Ouais, faut qu'il batte maintenant. Et... Bon, c'est... Faut un concours. Faut un concours de circonstances, quoi. Red préférerait avoir Piggy Bank que Jacob Zadder en cité. Non, mais ça c'est sûr. Hein. Bon, en tout cas, la run est pas si mauvaise que ça. Après, Poly Death Touch, c'est pas non plus une run assurée hein, de finir. Malgré tout, ils ont quand même du tier rate. Ah, bon, là par contre, ça serait de finir. Ouais, la sac d'ag. Ouais, sac d'ag, ça a mené à l'ordre. Oui, voilà, c'est bien fait. Okay. Il a fait dans le bon sens. C'est ce qu'il faut faire. Mysterious Paper, ce qui est pris. C'est bon, si jamais il prend le négatif. Ah, il a vu le match. Il a vu le match avant. Genre, il le pose carrément en mode. Ouais, bah, il a vraiment pas faire l'erreur. Oh la sœur, je suis en train de bourrer. Red, là, il est chaud. À Red aussi, hein, qui se fait beaucoup toucher là. Je suis pas inquiet pour les deux. Non, je suis pas trop inquiet, mais c'était juste surprenant, soudainement deux coups. Il devrait s'en sortir. Ouais, puis... un peu troll. Un peu dégueulasse en vrai, effectivement. Dans tout ce qui aurait pu être claqué, lol. ça aurait été chaud, ça aurait été délicat quand même. Hein. Ça c'est une évase. J'ai trop perdu. Oh la TP! Putain mais la TP on la voit plein de fois aujourd'hui, c'est un truc de malade. Et Serge qui fait dans le mauvais sens. Et oui Serge. Ouais, il pourra pas prendre ça mais il y a le Rob. Pas et là, horrible il a mais maker, c'est là, dommage. Hein. Ouais c'est pas un game changer avec Poly. Hein. Quand du tears up, oh là là. C'est bien joué ce qu'il fait Red là. C'est super propre ce qu'il fait. Hein. Non mais Red... C'est monsieur propre en CD en Red. Ah ouais vraiment... Autant Death il fait des choix que je ne comprends pas, je veux pas dire discutable c'est parce qu'il gagne, mais je les comprends pas, autant Red j'ai juste l'impression qu'il joue super bien quoi. En vrai t'as deux écoles de toute façon. Ouais Guppy Z ou. Oh. Deux objets Guppy. Ah Guppy. Guppy dans le même début de deal, la chatte. Ça triche. Oh là là. Russian deal. Allez. Poke MGLN. Mouche à 23 de dégâts, 24 presque c'est. C'est super bien joué. Oh là là, en plus. Ah, il veut sa TP, d'accord. Empereur derrière. Il y a deux étages d'écart. Oh là. Ok. Il va même pas voir le boss rush. Bon, il a raison. Il s'en fout. Il y a pas besoin. No, it's just a joke, MGL. I'm joking. Come on. Hello. No, it's fine. I mean. Ah, la TP de Red cette fois qui est dégueulasse. Look at Depth One deal from Reed. And I said, it's a Russian deal, but it's not yours, so... Et Serge qui peut voir le même, hein, qui peut être Guppy aussi. Bah, est-ce qu'il a vu un peu l'enchaînement? Ah, il peut pas. Ah bah non, il peut pas.
Parce qu'il a laissé l'activable tout à l'heure. Bah non, c'est bon, il peut. Ah bah oui. Du coup, les amis, c'est important de prendre un activable. Voilà. Voilà, c'est, là, bon, c'est en plus, fait, c'est l'ITP, donc c'est un bon activable. Mais, en plus. Du coup, pas de Guppy pour Serge, pas tout de suite. Bah là, c'est là, c'est dur. Ah, même avec Guppy, je le voyais mal remonter. Hein. Ouais. Oh là, c'est fini. Alors ça, par contre, j'avais jamais vu. De quoi? Et, j'apprends, et en fait, c'est complètement con de jamais l'avoir fait. Red, il a fait son cheval vers la gauche ou vers la droite pour rentrer dans le mur au lieu de parcourir toute la salle avec. Et du coup, il a pu tirer direct derrière. Ça marche aussi, oui, bien sûr. Et je crois que bah, c'est la première fois que je vois quelqu'un faire ça. Et en fait, c'est juste débile parce que c'est intuitif, c'est... mais ça marche. Hein. Ah oui. C'est la stratégie en fait. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé, j'ai jamais vu personne le faire. Je suis ok. C'est... Je suis impressionné, ouais. Mais Red, il est fort, on l'a dit. Hein. C'est une petite optimisation, mais oh là, ça compte. Limite une TP encore, empereur. Alors, Isaac Pouli qui va sub-set. Celui-là, c'est un sub-set. Hein. Bon, la run est pas mal, mais. Ah, ça tourne. Non, ça va être bon, moi je dis. Ça va être subset. Ça va être subset. Ça va être avec les mouches, y'a pas de soucis. Puis au pire, y'a Tamé. Ah, peut-être pas, finalement. Bah, limite, il aurait fait le cheval à cette salle, tu vois. Ah, quoique. Oh, ça va être chaud pour le subset, mais c'est jouable. Il y a tellement de mouches, il va foncer sur Isaac, il va mourir. Enfin, sur Bubbleby, il va mourir. Regarde, moi je dis ça va être subset. Regarde. Oh quel talent. 6,58. 2-0 pour Red. La remontada, time for remontada pour Serge. Ça va être chaud. T'as la première match qui aurait pu être pour Serge. Hein. Et ouais. Allez, le 3ème perso en diversity qui sera. Ah bah Forgotten, tiens. EB, tout à fait, Rodin. Là c'est. C'est juste EB quoi. Propre. Hein. Non là franchement je pense qu'il a pris contre n'importe qui là en fait, il a fait c'est nickel, de A à Z il n'y a aucune erreur hein, dans ce qu'il a fait. Superbe run. Et c'est ça qu'on aime voir. Ah ouais non là c'est nickel, franchement autant Death tu vois il a fait quelques erreurs. Mais autant là franchement c'était vraiment propre. Hein. Alors j'ai pas suivi les persos merde quoi. Forgotten City to the chest. Ah oui, Serge qui avait pas vu sa TP, du coup il se demande comment ça a pu être fini aussi vite. Parce que lui était seulement à son bombe 1, donc. Pour ça. Et du coup, Forgotten. Diversity, pas Seeded, oui. Non, Seeded ? Non, si. Ah oui, Diversity. Ah, Serge, je sais qu'il est là pour s'amuser aussi. Tout, à peu près tout le monde est là pour s'amuser. C'était un runner qu'on avait avant. Bonjour What Side of the Moon. Bonjour Face Blanche de la Lune. c'est le dernier match. C'est le dernier match déjà. Mais n'hésitez pas. Alors je refais ma pub. Hein. Le planning de mes matchs est sur Discord et je le mets sur Twitter également. Donc si jamais, passez sur Discord. Sinon, passez sur Twitter. Allez sub chez Ashdown. Et sub chez Ashdown, voilà. Et chez Kayosh. D'ailleurs, faut que je regarde s'il y a le sub. Oh là, le broken modem. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Diversity un peu naze. Ah, le. Ouais, ils sont le mapping, mais c'est dégueulasse quand même. Avec le mapping, t'es content, mais bon, faut trouver un gros starter pour être bien là. Mais le broken modem, hein. Ça, franchement, c'est vraiment un item de merde. Un item de merde. C'est vraiment un item nul à chier, quoi. C'est. On va voir si ça leur casse vraiment les couilles. Ah, il pickaxe du coup. Bon, il pickaxe ça va, mais. Chez moi, y'a pas de sub. Oh merde, putain, on avait un doute. Bon, t'as une page de don, moi. Ah, j'ai l'impression que Red a pas mappé comme il faut. Il va switcher à chaque fois qu'il va. Il va switcher d'objet à chaque fois qu'il va switcher perso. J'ai appris un truc tout à l'heure en jouant avec Kayosh. C'est que si tu switches deux fois très vite, tu reviens, en fait, tu peux switcher les objets. Genre, tu vois, typiquement. Oui, voilà, tu peux inverser dans l'ordre. Si jamais t'as pas mappé, tu peux faire ça, ouais. J'ai appris ça tout à l'heure. Mais par contre, objectivement, je vois pas comment vous pouvez dire que Forgotten est un bon perso. Hein. Sans deck, hein. Bah, en vrai, il commence avec un bon dégât et. Moi, j'adore le fait de pouvoir se cacher derrière son corps et de jouer en mode teubé.
Je suis pas sûr qu'il ait tant joué que ça, Forgotten. Red. Oh putain, pour que le modem, mais c'est tellement de la merde. Mais ça c'est vraiment un item débile qui sert à rien quoi. Autant ta planète tu vois, tu peux avoir un intérêt. Mais autant le broken modem ça sert juste à foutre la merde quoi. Mais de toute façon c'est le but hein. C'est pour montrer le 56k, voilà. Ah oui. C'est une blague. La DSL. Avant. Le Marbles qui est pris avec un locust, ouais d'accord, pas mal. Quand même 10 de dégâts donc le locust sera efficace. Le propto hein, avec Forgotten qui est cool. Et Serge qui veut pas passer en mode arme mais bon, mettons. Il a son bouquin, il s'en sert pas. En tout cas, ouais, petite avance pour l'instant pour Red, hein, c'est pas ouf. Mais En même temps, Serge, il prend pas son mapping. Je crois que j'ai jamais joué Forgotten, Red. Est-ce qu'il va avoir match ou il a fait Forgotten? Je ne sais plus. Oh, c'est pourri, faut jouer Godroom. Ouais, Serge qui a pas croqué le mapping, effectivement. Oh là, le broken modem, mais c'est tellement de la merde! C'est dégueulasse! C'est pas horrible, non, mais regarde les larmes qui restent bloquées quoi à un moment. Ok, la blague elle est drôle, mais putain, pense à ceux qui jouent quoi. Ah là là. Oh la vache quoi. Et Red qui joue bien, il pose quand même. Il veut pas aller au cac hein, il est tranquille. Il fait sa vie tranquille, voilà. Ouais, il fait sa vie. Petit stigmata. Mais comme Red n'hésite pas du tout à faire son mapping, je sais pas pourquoi Serge le fait pas. Mais Red, bah, il... ne serait-ce que là-dessus, déjà, il a pris l'avantage, quoi. Bon, il est piqué à coup, Steve, mais... T'es vite dit chez Serge. Tente pas le Guppy. TSL, ouais. Ouais, pour lock. Ça se fait. Mm-hmm. C'est chaud, hein, quand même, hein. Ah, voilà, le mapping est là, c'est bon. Alors pareil, il a le même souci de perso qui sera switché à chaque fois, donc c'est un peu plus relou de remapper à la manette, donc pourquoi pas, mais... Chaos c'est non, en théorie. Oula, Diplopia, double D6 potentiellement, mais non, pas à la place du mapping. C'est bien joué. À la place de toute autre chose, oui. Lord of the Pitch chez Serge, ouais, j'aurais peut-être pris aussi. Il y a un truc qui est bien... Bah, il aurait volé avec la phase... avec son corps aussi, alors que Vampty sera que quand il sera en mode âme, ce qui de toute façon bah, ne sert à rien. C'est vrai. Et alors, Red qui joue son EPKK avec son âme, et je sais pas honnêtement si c'est plus fort. Ouais. Ouais, si, si. Parce que tu tapes quand même vachement vite avec la version corps. Atamé. Ouais, Atamé, ouais. Oui. Oui, tous les jours, hein. Surtout avec Lichon. Mm-hmm. Little Shad à côté. Ça, en vrai, par contre, c'est vraiment un truc cool chez Forgotten. C'est la fameuse habilité à avoir que des corps en os, quoi. Oui. Tu peux faire des strats sympas, justement, à base de Polad, Bullwright et tout. J'ai fait ça tout à l'heure, d'ailleurs. D'ailleurs, Serge était dans la partie, au passage. Moi, j'ai lui. Mais un perso, hein. Non, mais c'était... tu sais, genre... on avait un start Bullwright en activable. Et j'ai chaté... J'ai chaté le fameux... Merde... Oh. Scapula. J'ai chaté Scapula. Ah... Et du coup, ouais, ça a fait une strat assez sympa avec les cœurs au final. Avec les cœurs en os et tout, je pouvais bourrer quoi. Et Serge qui refuse toujours son mapping, mais bon... C'est, il a l'air de partir dans la bonne direction, donc pourquoi pas... Pour l'étage prochain. Alors en vrai c'est un peu traite quand même ce coup de... Ce coup d'Atamé. Parce qu'il a pas le dégâts non plus, il a pas le 40 de dégâts le fameux. Là il l'a du coup. Super ouais, bandage. Ah c'est un peu casse-gueule à utiliser du coup. Et un étage en tout cas. Oh là Red est solide. Et lui il met son mapping chaque début d'étage pour l'instant. Il a eu aucun défaut là-dessus. Ça sent rien, ça va. Partir, bien sûr, bien joué. Le modem, qui est toujours là. Terrible. Par contre, Red, il bombe pas, hein. Bon, là, il joue à Tamé, ok. Ouais, mais il bombe pas spécialement ses portes avec IPKAC. Même avec un 10 de dégâts, ça clear, hein. C'est pas un souci, hein.
Parce que c'est. Ouais, je. Je sais pas. Ou alors il voulait charger. Insupportable modem. Le modem qui tient cassé les couilles à chaque fois. C'est tellement insupportable. Puis il a un petit Atami 40. Okay. Ah, il y avait Guppy dans la run, quel dommage. C'est vrai que chez Serge, bah on s'emmerde. Hein. Serge qui joue son propto version âme, c'est pas con parce que c'est... là en l'occurrence, je pense que ça fait bien plus de dégâts. Et il est loin, hein. il a du mal à revenir. Alors ouais. Serge, il hésite à compter quand c'est sale. En haut. Ça serait bien double trouble. Moi j'irai à droite, tu vois. Tu serais parti en bas à droite Moi je serais parti à droite tout court. Ouais, voilà, oui. Oui, ouais, oui, bah, c'est là aussi où je serais allé. Mais lui il a compté, il a vu que. Il a lâché le dé. Oui, pour prendre le compost. Moi oh, je suis pas convaincu. Ah, il tente, hein. Faut tenter. Bah, c'est bien joué, hein. Mais... Bah, du coup, c'était bien à droite, ouais. Ouais, c'est bien à droite, c'est bien double trouble. Hein. Tu sais, tout en bas là. Ça, c'est les étages buggés à moitié. Ah genre c'est pas du tout plus loin. Non tu sais la salle, la petite salle là, juste à gauche là. Oui, oui. Ça m'étonnerait hein, mais on a déjà vu hein. Bon regardons. Red qui est déjà round 2 hein. Non mais Red. Arrêtez-vous monsieur, vous allez trop vite. Red il a zéro le temps hein. Ah il s'en bat les couilles. Hein. En plus il est à son attamé donc il s'en fout, il rentre, il prend attamé, bim. Par contre, ouais. il bombe aucune salle avec son IPK, je sais pas. C'est parce qu'il a pas envie ou tu penses qu'il ira plus vite avec son Atame. Double trouble hein, chez Serge. Mais ouais, non, je pense qu'il va plus vite avec son Atame, parce que je suis plutôt d'accord hein, d'ailleurs. C'est vrai, faut que tu passes, hein, c'est les démarches quoi. Hein. Tu passes sans ça roule. Ouais, faut switcher, ouais. Bordel. Ouais. Et bah en tout cas, Red qui a Eclipse, hein. Avec Eclipse qui bug. Aucun modem, putain. Ah, il prend le débile quand même, il va voir. Campus. Campus. Move the Void. Ok. Ouais, c'est pas la folie, mais ok. Oh, si, c'est bien. Ouais, mais. Avec Forgotten, je trouve. C'est un peu moins. Intéressant. Un peu comme Samael, quoi. Alors, on se dirait Shura vers un 3-0 quand même. Hein. Ouais, là, Red. Solide, il a pas laissé une seule chance. Ah, ouais, non, là, il a été giga solide. Hein. Sur tout le match, Serge a rien pu faire. Hein. Surtout la première run, je trouve, où il était super impressionnant à venir avec son Mega Blast là. Passer devant un multi-shot Tech X Brimstone. Non, très très propre. Clairement. C'est bien fait. Très très propre, la Red. Hein. Serge qui est un petit peu en galère, voilà, Serge qui arrive à sa mom hein, quand Red est déjà censuré. Et en plus il a le mapping. Ouais, ça va être expédié cette histoire. Hein. On aura deux matchs de qualité ce soir, quoi qu'il arrive. Ouais, là, tu vois un joueur comme ça, Red aussi fort, j'ai vraiment hâte de le voir contre les autres tops. Que... Ah oui, quand je vois un niveau aussi propre, je me dis c'est beau. Ouais, il sera favori. Il sera dans les favoris. Hein. Je suis pas inquiet. J'ai hâte de le voir jouer à Puzzle Farter à la place de Isaac contre Death. Oh, beau mapping. Oh, j'ai dit contre Death, il en a fait des belles. Hein. Ah là, il a eu son mapping, effectivement, c'était pas du tout par là. Il fallait couper. Il tente la Moonstrat, non. Propre, 10 minutes avec Forgotten c'est propre hein. Ouais il y a quand même quoi aller très très vite hein. Ah oui non c'est clair. Il suffit de pas crever maintenant mais bon c'est bon. Bon la Tamé qui prend Clicker assez souvent. Serge qui arrive à son bomb 1 encore non bomb 1 ouais je crois qu'il est en 2 mais non. Allez Isaac qui est bourré à la Tamé bien sûr. Ouais bah là... C'est bien. La win. La win pour Red. Très très joli match de Red. Hein. Oh propre. Il a géré. Il a géré. Les deux vont venir en vocal je pense. Hein.
première étape. Oui, j'attends un peu. On va attendre un peu pour arriver. Le raid qui met même pas de gif, il s'en bat les couilles. Terrible. Alors, est-ce qu'ils nous rejoignent? Pas vu grand chose, bah c'est vrai qu'à part la première, il n'y avait pas grand chose à faire. Ouais, ouais, non, c'est clair. Serge qui s'est fait un peu ouvrir. Ouais, Serge, je pense qu'il va passer. Pas de si probablement. Ah, où est Serge? Vu que Red a quitté direct, je suis pas sûr. Tour, tour par là. Je vais demander s'il veut passer. Il passe ou pas? Ah, il passe. Il y a Red qui va voir. Et il est là. Bonjour Red. Salut. Comment ça va? Bien. Bah, ça va, ça va. Je vais t'augmenter un peu. Ah, moi je vais à fond, j'entends. Allô? 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 Faut passer chez Audica, c'est bien gênant les mecs. C'est terrible. Je coupe la musique pour toi. Oh là là. Oh là là. Oh là là, que de déception. Bon bah GG à toi. C'était. On disait que Pingouin très 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 propre hein, franchement. Ouais, je l'ai senti, hein. C'était assez propre. Ta run CD était honnêtement nickel. Genre zéro erreur. Merci. Ah elle était. Ouais. Ouais. C'était impressionnant. Et yo. Ah, GG Raid. Merci. C'est ce qu'on disait, hein. C'est là franchement t'es tombé sur un raid monstrueux, hein, sans deck. Super chaud. Mais, le premier run, je pensais vraiment que je pouvais gagner parce que j'avais vraiment un gros build. Ah ouais, ouais, non, puis là... Ouais, t'étais pas loin. Hein. Mais j'ai choisi le Mega Blast et... Le Mega Blast a vraiment fait la diff, c'est clair. Mais même avant le Mega Blast, hein, t'étais toujours pas très loin. Hein. Bah ouais, la Blume a fait le taf. Ouais. Non, c'était impressionnant à voir, hein. Sans deck, beau match. Hein. Ce soir là, c'était pas mal. Hein. Et ouais, alors là, c'est dur de passer après le match d'Esky. Bah non, mais sans deck, c'était bien à voir, hein, franchement. Hein. Mais là, Red était au-dessus, quoi. Il y a pas de question à se poser. Quoi. Mais t'as bien joué aussi, Serge. Après, l'UNCD, la première, le Mega Blast fait le taf, on pensait que t'allais la prendre aussi. En CD le Devil Guppy là dont t'as parlé. Au final en fait le fait ouais. Que t'aies pas vu la TP ça justement ça t'a fait avoir en fait ça t'a fait prendre direct la Guppy Z, t'as pas pu reposer le dé et du coup en fait t'as pas pu avoir Guppy. Ah ouais, ouais exact. Et oui j'ai pas pu reroll derrière. Puis là, après sur... Guppy Z avec Propto c'était pas mal mais à côté d'une TP compliqué. Ouais voilà c'était. Et Guppy. Et Guppy hein, tout court hein, de toute façon. Mais non, c'était très très propre. Hein. Très beau match hein, ce soir là. Bah, la CD, on en parlait justement. Red aurait pu gagner n'importe qui sur une CD comme ça. Quoi. Ouais, je pense. Bah, ouais, je sais pas, c'était moins de 7 minutes, je crois. Enfin... C'est 58. Ouais. C'est violent. Hein. Bah, je sais pas ce que t'aurais pensé, toi, Red. Ouais, j'ai trouvé ça bien. Je pense que là. Bon, enfin, on va voir. Du coup, ouais, je vais uploader le classement. Mais je crois que c'est mort pour toi, Serge, maintenant. Je dis pas de bêtises. Alors, le truc, c'est que si Holo bat Gamo, on sera 3 à avoir une victoire. Après, ah, la triangulaire. Oui, c'est possible. Ah, oui. C'est possible. Et comme tu as mis 3-0, c'est possible. Bien vu. Ouais, je suis content, j'ai découvert Forgotten. Il est sympathique, ce perso. T'avais jamais joué avec Non. Super.